Bonjour tout le monde, ici Picapuff qui c'est pour un épisode de Monster Hunter Rise et on va continuer. Il nous reste deux missions à faire pour le mode solo. L'expédition, je les ai toutes faites pourtant. Ouais. Coup de foudre. Chasser un Mizutsune et un Tobikadashi. Chasseur bavard, je vais faire une fleur. Je vais te faire une fleur. Il y a un Mizutsune et un Tobikadashi qui se battent dans la forêt inondée. Et je te les laisse. Je me sens charitable aujourd'hui. Allez, bonne chance. Là, mon chat, je crois qu'il veut sortir. Est-ce que tu veux sortir, Frumos? Viens-t'en, on va sortir. Ok, désolé. Désolé pour ce petit molle contre-temps. Mon chat, quand il veut quelque chose, il veut quelque chose. Compendium, on va regarder un peu. La remettre dedans. L'explosion pourrait être quelque chose de très bon. Bon, je vais garder l'explosion. Mais je vais donner une petite protection. Oui, je vais être faible contre l'électricité un petit peu. Je m'en fous. Les bulles, j'aurai une petite résistance pour ces bulles. Le Tobikadashi me fait pas peur. C'est plus l'autre. En gros, là, les épées du Magnamalo. Si vous avez une arme explosive, vous faites quasiment deux étoiles à tout. Je dis bien quasiment. Ok. Je prends-tu de la viande? En même temps. Qui est le premier de sa liste? Non, je pense que je vais faire le Tobikadashi en premier, c'est plus faible. Mais le plus violent, je pourrais dire. J'ai besoin de potions normales. Magnamolo m'en a pris pas mal, ça. Méga potion! Tonight.
Hey, wow, wow, t'es pin, là. Je suis pas capable de faire mes attaques. Faut peser sur le petit piton. À date. Oh ben. Je t'électrifie. Déjà faible. On l'a eu. C'était le plus petit que j'ai vu à date. Je croyais qu'il était petit aussi. Okay, lui est fait. I'll take that.
see if there's something worth keeping. Ok, là le next c'est cette affaire là. Mizutsune! Hey, reviens! Mizutsune! Qu'est-ce qu'il y a là? Bubble Beam. Non mais... Voilà. On va l'appeler le dragon savon. Pourquoi tant de douleur? J'ai des trucs sérieux. Une fois. On reste couché. Ouais, qu'il m'a touché. Préparer la viande, voir si je peux faire de quoi. Je suis curieux de voir qu'est-ce que les poissons vont faire dessus. Un petit dégueul.
Au! Qu'est-ce qu'il a fait? Le chat a mis un arbre de l'autre là. Là, lui, le drone doit être à 20. Non, il va être bien droit. Je penserais pas bien. Ça de manger un coup. Oh ouais, t'as pas aimé ça. Elle a pas aimé ça, Mizutsune. On l'a eu. Jamais assez de queue. Si on est capable d'en avoir des extra, on sait jamais quand est-ce qu'on en aura besoin. Et voilà. Je suis bien content. Il y a plein de zones de pêche. Mais, à date, j'ai pas eu de quête de pêche. C'est bizarre. J'ai jamais pêché encore. Faudrait peut-être que j'essaye. À un moment donné, il va y avoir sûrement des quêtes qu'il faudra avoir des. Quelque chose pêché. Quête réussie! Il va nous rester juste une quête pour finir le mode solo. Après ça, on va pouvoir faire le mode multijoueur. Yes, sir! Puis le mode multijoueur, il va avoir les mêmes monstres, plus des nouveaux monstres, plus des versions plus du monstre. Donc là, le challenge va vraiment commencer au mode... mode histoire. Pas le mode histoire, j'aurais pas dit le mode histoire, mais le mode solo. Pas le mode solo, mode multijoueur. Mode histoire, il est dans le mode multijoueur aussi. Donc, bon. Donc, voilà pour cet épisode. Merci d'avoir été là tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.